Mesdames et messieurs, merci. Merci infiniment d'être venus ce soir. La spécialité, elle s'articule en fait autour de trois axes de la théorie. Donc là, à ce moment-là, on découvrait littérairement les œuvres. C'était vrai, voilà, un bond dans l'histoire du théâtre. De l'Antiquité jusqu'à du théâtre très contemporain, avec de vrais auteurs qui sont réellement vivants et qu'on peut éventuellement d'ailleurs rencontrer. Tous les registres, comiques, tragiques, vaudevilles, voilà. Toutes les techniques aussi, c'est-à-dire on peut faire du théâtre de marionnettes, du théâtre d'ombre, du théâtre d'objets. Et donc après, on avait la pratique. Et ces cours de pratique, certains cours de théorie aussi, se déroulent en partenariat avec des intervenants qui sont des comédiens, des metteurs en scène, parfois des techniciens. Voilà. Et donc l'essentiel des cours se déroule en co-animation. C'est-à-dire je prends tout et bouf, il a fini pas. Du coup, je refais tout, je refais tout. Voilà, comment je magasine un maximum d'informations pour après la produire encore plus grand et plus précis. On pratique comme avec pratiquement des acteurs et des actrices professionnelles. Alors, d'abord, il y a une partie de sensibilisation quand même au travail de théâtre, c'est-à-dire ça se passe par des jeux, par ce qu'on dit. De toute façon, au théâtre, le travail, c'est jouer. Mini, moi. Mais vraiment, il se passe des choses bizarres ici. Prends ça dans les mains, tu peux voir une tartineuse tartiner de la choucroute. Go! Avec nous. On est ensemble aussi. Voilà, ok. Madame la tartineuse, avec nous, toujours. Bonjour. C'est donc il y a des jeux qui sont liés à l'écoute de soi, l'écoute des autres, l'appréhension de l'espace. Et puis après, il y a une phase qui est plus sur la fabrication, en fait, sur travailler en équipe pour fabriquer des petites formes théâtrales, en fait. Donc il arrivait qu'on monte véritablement des petits spectacles, une heure et demie, ou dans lesquels on pouvait être totalement libre, et on construisait tout, costumes, musique, la mise en scène avec l'aide de Madame Arnal et des comédiens, bien évidemment. Oh mon Dieu, Christine, nous sommes riches. Comment cela est-il arrivé? Nous sommes riches à ne savoir qu'en faire. Caca. Qu'est-ce que c'est? Et après, le troisième axe, c'était plutôt le soir, puisqu'on avait des pièces de théâtre à aller voir. Les élèves peuvent, quasi à satiété, aller au théâtre. Et donc, ils connaissent un petit peu la géographie du cratère, tout le personnel, parfois les troupes qui viennent aussi, qu'ils rencontrent. Donc ça aussi, vraiment, l'ouverture, en termes d'ouverture culturelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très intéressant et qui, voilà, donne du plus à l'option. Il y a quelque chose qui amène à, je dirais pas se dépasser, mais être quelquefois un petit peu au-delà de ce que l'on est dans la vie. Jouer des rôles comme ça tout le temps, ça m'a aidé vraiment pendant mon adolescence. Ça m'a permis plus tard de me construire en tant que personne. Ça me permet de mieux gérer mon stress, de me présenter plus à l'aise, de savoir m'exprimer avec plus d'aisance. On apprend à décrypter, à regarder l'autre. Ça m'a permis, moi, de me rendre compte de qui je voulais être et de m'affirmer comme étant moi-même. C'est un jeu qu'on joue sérieusement, le théâtre. Et je pense que c'est aussi un endroit où on se surprend. On est surpris par les autres et on se surprend soi-même. Parce qu'on a développé ses qualités personnelles et notamment et en particulier l'art de la communication. Et je crois que c'est quand même la clé de beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une expérience véritablement complète, totale, qui demande une implication de soi, de son corps, même de son esprit, qui en fait, finalement, vous élève en tant que personne et vous rend plus humain, je pense. Moi, j'ai adoré ces années-là, donc voilà.
Il y a des gens bizarres ici. Venez pas. Mais venez. J'étais pas très bonne à l'école. Et pour le coup, le théâtre, il m'a apporté une confiance. Et de me dire qu'en fait, moi aussi, j'étais capable de faire des choses. C'est vraiment quelque chose de super libérateur et de super nourrissant niveau intellectuellement, mais aussi artistiquement et niveau personnel. Moi aujourd'hui, en tant qu'étudiant infirmier bientôt diplômé, je me rends compte que je fais du théâtre tous les jours avec les patients. C'est vraiment une plus-value qu'il ne faut pas passer à côté, t'as vu. Donc, il faut aller faire du théâtre.